Eh bien, moi-même qui me rachète, je ça pour la première fois. Non, Pam, c'est Wilfried, petit frère, directeur en charge de Compa Events Platform. Et nous avons tout le bagaille. Et ou même qui peut avoir chance pour checker nous sur compaevents.com pour capable tout ça que nous gagnons pour nous offrir. Update fait régulièrement. Ou bien download l'application Compa Events là, dans le téléphone pour qu'à rester connecté avec nous 24 sur 24. Depuis qu'on a information qui est tombée pour capable de joindre. Rapidement, information. Et depuis hier soir jusqu'à matin, cap fait pas l'empile, c'est départ petit papi en dedans à Monique. Et rendez-vous à confirmer. Et nous avons plusieurs sources qui confirment pour nous que petit papi pas fait partie de l'équipe à Monique là encore. Et Jean qui me dit, hier me dit nos détails, et bien réellement vrai, ça me dit, c'est ça lié. Parce que matin, je suis en train de garder dodo. Et hier soir, je suis garder rendez-vous. Pour moi, qui source qui est, qui source pas, qui ça rejoindre. Eh bien, c'est ça que je partage avec nous hier. Et côté que petit papi décide enough is enough, tu as mis en tête dans le dernier tourné à Monique là. Eh bien, ça t'a pas le fait, petit papi dit bon, it's time to go. Et il y a une rumeur qui fait qu'on est le pral dans l'autre jazz. Pour moi-même, je ne peux pas dire ça. Parce que ça, c'est pas avec Nintendo. Et je connais petit papi, et he's doing good. Et je suis un business pal, et qu'il a travaillé. Et. D'après tant pour nous, parce que est-ce qu'elle a intégré une autre formation musicale rapide? Parce que moi, j'ai un monde et j'ai un lobbying qui a fait pour que tu mettes le nom de l'autre jazz. Moi-même, je n'ai pas besoin d'un dossier ça. Je vais quitter, petit papi, faire chez Mel, c'est le bras de l'autre jazz pour l'autre jazz, c'est la petite time off pour mon time off. Mais, quand il y a un rumeur qui est psychique, et il t'a voulu faire connaître le pral dans Intel pendant ce temps, il s'est fait quitter. Est-ce que ça te gêne tout pas connaître? Période qu'on a, mais petit papi confirmé quitter. Il n'a pas fait partie de l'équipe harmonique encore. Après un bon petit temps, en dedans harmonique, et bien petit papi, bye bozia. L'autre information qui a fait le cap à la une, donc il y a Patrick Fab qui est manager de Cibé Gabel, qui a un festival qu'elle a lancé, c'était Creole Culture Festival. Eh bien, à partir de ANSA, Patrick Fab décide de changer dans le festival là. Festival là, qu'on y a les Caribbean Fest. Parce que, d'après ça, DG Patrick Fab Dim, et festival ça, il va intégrer plusieurs autres jazz ou bien autres artistes qui sont dans les Caraïbes là. Et puis, il est capable de bien vendre le festival là. Eh bien, il est obligé de changer nom hein, pour permettre que tout pays qui est dans les Caraïbes là participe là-dedans. Et tout le monde, consommateur qui consomme musique, qui sont dans les Caraïbes là pour être capable de jouer une place dans le festival ça. Festival ça fait le 16 et 17 octobre 2021. C'est tout fraco, on a quitté le pays à marcher. Festival ça n'a pas joué ni. 16 et 17 octobre, c'est Caribbean Festival. L'autre information que nous avons maintenant, nous connaissons Loberto, ancien keyboardiste J-Beats. Loberto, tu as quitté J-Beats. Eh bien, Loberto a travaillé sur Jazz Pal. Tu mettez mon coin de projet. Eh bien, je dis à Loberto lagé un teaser de Kimoun Kabavel dans l'équipe Pal. Moi, je vais mettre un nouveau jazz parce qu'il y a une bonne possibilité pour me faire plus cob. Et je vais plus de contenu, je vais plus de bagaille pour me dire. Eh bien, Loberto a travaillé sur Jazz Pal. Mais dans le teaser qui sorti, nous remarquons qu'il y a deux musiciens de J-Beats qui sont là-dedans. Il y a un guitariste qui joue à J-Beats là, qui est typique. Et puis il y a Will Gaines qui est bassiste de J-Beats. Est-ce que Loberto prend des musiciens ça au Libra Lavel dans Jazz Pal? Ou bien des musiciens ça a aidé Loberto? Ou bien il y a toujours des musiciens de J-Beats? Mais dans la vidéo promo qu'il a fait, remarquez présence Loberto, typique Will Gaines et puis Zoso Loto qui t'a supposé soit en dedans ou bien yon insider dans le projet ça. Donc il y a yon lot jazz qui supposé fait dans la cour Montréal Canada. Zazou ancien keyboardiste Zinglin et qui te travaille sur dernier album No Dead and Zinglin qui te by résultat. Mais c'est son bon grain. Eh bien, Zazou avec Manin G pral fait
yon jazz. Zazou, Amaneji, qui c'est deux bons amis, et se yon réunis ensemble pour yon font jazz. Mais nous connaissons Zazou en Haïti. Jazz là, supposé à le fait dans Montréal, parce que c'est là que Zazou a joué une visa pour le qu'il est. Et puis, moun ki der jazz là, des sponsors, moun kap sponsorise jazz là financièrement, eh bien, c'est là lié, eh bien, il dit fort jazz là en bas pied pour les capable qui contrôle jazz là. Pavle fait jazz Miami, li pavle fait jazz Haïti, fort jazz là en bas pied, eh bien, gen possibilité, si toutefois jazz ça a fait vrai, eh bien, pour jazz a fait dans la Cour Montréal Canada, c'est Zazou comme maestro et puis comme chanteur principal Mani G. Information. L'autre information, je dis à la Princesse Eude dévoilée qu'elle est enceinte dans photo qu'elle publie sous page li avec 20 qui est un gros. Eh bien, t'as semblé la fonti garçon, parce que non qu'elle poste à et quoi c'est basson j'ai non et mais Princesse Ed enceinte et m'a capable dit nous pas combien mois de pas dit combien mois mais le gars des ventes là ouais ventes là qui t'a monté et bien non photo shoot non photo qui posté et bien Princesse Ed annoncé un petit garçon qui va venir